accueillir. Le temps est très beau sur le parcours. La durée du vol prévue, 35 minutes environ. Je rappelle que ce vol est non fumeur. Les téléphones portables doivent être éteints maintenant. Les bagages à main placés sous le siège faisant face. C'est l'histoire d'un pari un peu fou. Ouvrir l'un des territoires les plus majestueux et les plus hostiles de la planète à des personnes mâles et non-voyantes. Traverser plusieurs jours durant la forêt amazonienne au cœur de la Guyane française. Une aventure qui se veut autant un laboratoire qu'un symbole pour ouvrir aux personnes déficientes visuelles de nouveaux territoires d'autonomie. Une expérience amazonienne. Voilà, et là il y a une marche devant. Okay. Elles sont juste devant vous. Ok. 1, 2 et 3. Super. Bravo. Bienvenue à Saül, monsieur. Oui, la canne. Ah oui, merci, merci. D'accord. Ils viennent de métropole et de Guyane. Ils sont déficients visuels et se préparent à vivre une expérience inédite. Ils ont un certain goût pour l'aventure et le dépassement de soi malgré le handicap. Aussi, une capacité d'apporter une expertise sur les questions de l'accessibilité. C'est Eric Gaba qui est l'artisan du projet. Le parc amazonien de Guyane l'a missionné pour tester avec les personnes mâles et non-voyantes qui l'accompagnent l'accessibilité de parcours de randonnée dans la région de Saül, un village de 40 âmes aux confins de la forêt. Un laboratoire d'autonomie pour peut-être ouvrir demain aux personnes déficientes visuelles de nouveaux espaces d'aventure et de découverte. Ouvrir de nouveaux territoires, c'est vaste, ça peut être très physique, c'est-à-dire ouvrir le territoire de Saül, faire des équipements, des aménagements, mettre à disposition des services qui permettent d'être, de venir, mais ouvrir des territoires, c'est aussi dans sa tête. C'est-à-dire que, par exemple, certaines personnes se sont complètement dépassées pendant ce séjour. Et ça aussi, c'est un territoire. L'aventure, en tout cas la possibilité de vivre au travers le risque ou l'aventure, c'est pour eux aussi un nouveau territoire à découvrir et un enjeu. Parce qu'au final, ça fait d'autres comportements dans la vie de tous les jours. Les serpents, ne vous inquiétez pas pour les serpents. Pourquoi c'est si vif, hein? Pourquoi tu veux m'attaquer? Le groupe test est composé de Philippe, Léon, Joseph et Juliette, un Belge et trois Guyanais, mâles et non-voyants. Trois accompagnateurs, métropolitains et Guyanais également, sont à leur côté pour les aider à cheminer et assurer leur sécurité. Allez, on est parti. Mais pour les participants Guyanais, il s'agit d'abord de s'initier au maniement des cannes tout-terrain qui devraient faciliter l'appréhension de ce nouvel environnement. Philippe dispense donc à Léon un petit cours de rattrapage. La canne, tu la laisses légère, tu la laisses flotter sur le sol. D'accord. Okay. Et donc comme ça, la roulette va bien... Et tout seul. Voilà, comme ça. Okay. Et une fois que tu sens que t'accroches, évidemment, tu sors de là. Ah, oui. Tu vois? D'accord, oui. Très malvoyant, mais aussi grand voyageur, Philippe est ici en qualité d'expert en accessibilité. Si je suis venu en Amazonie, c'est lié à une amitié avec Eric Gaba notamment. Et un jour, Eric m'a présenté le projet Guyane. Et ce projet Guyane, évidemment, Amazonie pour tous, ça m'emballait. Parce que c'était un vrai challenge de réfléchir à une dimension accessible. Et en même temps, les aventures de cet ordre-là m'intéressent toujours. Oui. Le groupe est guidé par Jean-Pierre. Habitant de Saül et guide de forêt depuis de longues années, il connaît les dangers de la forêt et devrait pouvoir ramener la troupe à bon port. Tu as un trou là avec de la boue. Là, on monte un peu. Là, tu as une branche là devant toi. C'est bon, Léon? Super. La notion de super déficient visuel est une question qui mérite le plus.
On est avant tout des individus comme les autres. Certains sont capables de réaliser des exploits et de grimper l'Himalaya ou les Annapurna. D'autres se contenteront de rester dans leur fauteuil et ne passeront pas nécessairement à l'action. Je pense qu'avant tout, on doit être dans le respect de ses propres choix, dans le respect de ses propres capacités, en essayant d'autonomiser au maximum chacun jusque là où il peut aller. On est là, on grimpe, racine, escalier, racine, on va un peu à gauche. Le parcours test dessine une boucle d'une vingtaine de kilomètres en pleine forêt vierge. Attention, il y a des racines avec un trou. Des nuits en bivouac ponctueront un parcours dont la difficulté devra être croissante, pas après pas et jour après jour. Okay. Philippe, il va à la même allure depuis tout à l'heure. Il faut d'abord régler son pas et trouver son rythme. Si toute l'attention se fixe sur où et comment poser ses pieds, il ne faudra pas pour autant en oublier de lever la tête et profiter de cette forêt qui s'ouvre et se dévoile à nous. Je vais essayer, sans trop la connaître, oui. de décrire un peu ce que je vois et comment je le ressens. Alors, tu as une idée, tu sais que le sommet des arbres, là, il est à peu près, c'est ce que nous a dit Jean-Pierre, là, oui. Ce qu'on appelle la canopée, c'est à 50 mètres, 50 à 60 mètres. Ah, d'accord. Oui. Donc là, on est bien à l'ombre et oui. Bien protégé par le sous-bois. Par tous ces arbres. Oui. Après une première heure de marche sans trop de difficultés, déjà, le petit Léon se rétrécit et disparaît progressivement dans la végétation. Les branches et les troncs d'arbres, qui se dressent en travers du chemin, augmentent la difficulté de la progression. L'usage des cannes tout-terrain, mais aussi et surtout les indications données par les accompagnateurs, deviennent rapidement essentielles. Faut faire attention ici, parce qu'il y a des racines et des arbres en travers. Sois bien attentif avec ta canne, Léon. On tourne sur la gauche. Voilà, sur la gauche, on tourne. Il y a des racines avec des cailloux. Voilà. C'est des pierres qu'il faut grimper. Okay. Globalement, jusque maintenant, en tout cas, je ne sais pas après ce qui nous attend, mais c'est une marche tout à fait pertinente à prévoir au niveau tourisme pour des malvoyants et déficients visuels avec la condition de l'accompagnement qui doit être mis en œuvre. Avec la main. Ouais. À gauche. Léon, sur ta gauche, ta main. Ta main à gauche. Oui, oui. Bien ainsi. Bien ainsi. Environnement exceptionnel, du plaisir, parce que ça doit rester ça, le tourisme pour tous doit rester un moment de plaisir, c'est un moment de partage, c'est un moment de retour vers soi, c'est un moment de senteur, d'écoute, de bruit, enfin tout s'éveille, c'est un moment merveilleux tout simplement. Ça, c'est le papayou où ils disent l'oiseau gendarme. C'est qu'il avertit tout ce qu'il y a autour. Puis à un moment donné, il fait la sieste parce que vers midi, on ne l'entend plus. Première halte. La forêt primaire résonne de mille bruits. Oiseaux, feuillages, insectes. Un univers sonore d'une richesse et d'une variété exceptionnelle. Une immense caisse de résonance qui révèle la densité et la profondeur de cet espace où l'homme n'a que peu de place. On tourne à droite. Là, il y a un énorme fromager. Si la forêt primaire se donne largement à entendre, il suffit aussi de la toucher pour en appréhender la démesure. En arborant un tronc de plus de 4 mètres de diamètre, cet arbre fromager laisse aisément imaginer ses dimensions et deviner sa cime, qui s'élève à plus de 50 mètres au-dessus de nos têtes. T'as vu comment c'est immense ? T'as vu ? On est tout petits, on est comme des fourmis là. Léon, comme la majorité des Guyanais, ne s'était jamais encore rendu en forêt. Je n'étais jamais venu en forêt, mais je me suis dit qu'il fallait essayer.
Il fallait voir. Même si c'est un peu dur, c'était important de venir. Je pense qu'il faut toujours essayer. La forêt n'est pas un endroit facile. Et j'apprends à me servir de la canne pour avancer et pour être sûr de moi. Petit à petit, je m'en sers comme d'une boussole qui me guide. Et il y a aussi les accompagnateurs qui nous donnent toute la journée plein d'indications pour pouvoir avancer. Les accompagnateurs sont aussi comme ma boussole. C'était bien. Ensuite, tu vas tout droit. Attention, il y a des cailloux. Oui. Bah, tu vois, ça tient tout seul. Allez, on y va. Tranquille, ça bouge pas. On continue. Ça monte toujours, hein. La forêt amazonienne est loin d'être une mer étale. C'est même un immense massif vallonné présentant de nombreux reliefs. Il y a des cailloux devant. Voilà, il y a des cailloux. La première montée un peu raide va éprouver nos randonneurs. Et il faudra être endurant dans la chaleur et l'humidité de la forêt. D'autant que pour les marcheurs déficients visuels, la déclivité vient perturber l'équilibre et a tendance à désorienter. C'est le moment de s'accrocher et de ne pas se laisser décourager. On est tous handicapés face à l'Amazonie. C'est-à-dire qu'en Amazonie, il faut être solidaire. Donc là, on ne va pas supprimer les dangers de l'Amazonie, mais on va trouver des façons de permettre aux gens d'être accompagnés pour avoir un accès à la forêt. Un peu d'eau ? Non, c'est bon. C'est bon ? C'est le cœur qui bat vite, qui bat vite. Une situation identique, on peut la retrouver en ville, on peut la retrouver autour de chez soi. Par exemple, Juliette, elle dit qu'après 18h, elle ne sort pas de chez elle. Parce qu'elle dit, la nuit, je ne peux plus rien faire. Mais peut-être qu'elle va acquérir une certaine capacité d'autonomie ou d'interpeller quelqu'un qui peut l'accompagner et même lui donner des explications pour la guider. C'est un milieu hostile, mais pour un déficient visuel, à part le fait qu'il y ait quelques animaux qu'on pourrait éventuellement croiser et qui ne sont pas sympathiques, l'hostilité, elle est en sortant de chez soi. Donc on travaille aussi bien, la rando n'est qu'un prétexte pour développer l'autonomie. Allez, bientôt, au sommet. Mais pas de plaisir sans peine. En haut de la colline, la forêt et le ciel se dévoilent enfin. Le jour commence à décliner, le soleil se fait plus doux et la lumière rasante. Le paysage s'offre à tous nos sens et Alain prête ses yeux à Philippe. On est sur le Belvédère, un endroit magnifique. On domine le village de Saül. Évidemment, beaucoup de vers, plein de vers différents parce que la lumière est rasante. Là. Un air qui commence à être en plus frais, très agréable. Et puis au loin, des chaînes de collines qui s'étagent. Et tout. Voilà, c'est très beau, des arbres magnifiques, des troncs qui s'élance comme ça. Et je vois que la cime des arbres, je ne vois pas ce qui est en dessous. Donc je redescends à chaque fois par face mon regard pour me reconstituer une image globale de l'espace avec les senteurs, avec la représentation de la hauteur, de l'espace. Mais je ressens très fort le vide, par exemple. L'espace plongeant qui est devant nous, ça c'est quelque chose que je ressens très fort. Donc, ce que tu m'as amené comme image vient compléter ma représentation. D'accord. Moi. Merci. D'accord, la tienne est plus intérieure, quoi. La mienne est plus descriptive. Tout à fait. Ça vient en complément de ce que moi j'en perçois avec mon résidu visuel. D'accord. Au détour d'une clairière, c'est la rivière qui tiendra lieu de spa. On ne boudera pas notre plaisir à se rafraîchir après une journée de marche dans les tuffes brûlantes de la forêt. Le campement est monté, un lieu et un moment privilégié pour être ensemble, se rencontrer et partager. On goûte à la douceur de cette nature et c'est aussi le moment de soigner les petites blessures. Lorenz, toi t'as rien ? Non. Pas de bobo ? Non. Eh ben c'est parfait, comme ça. La nuit au bivouac est un incontournable, un certain art de vivre en forêt. À la tombée de la nuit, la forêt devient assourdissante. Les hamacs sont montés et cette nuit, la canopée sera notre toit. Faire quelque chose d'extraordinaire
ça marque les esprits. C'est-à-dire que si on veut faire évoluer le quotidien, il faut qu'il y ait des événements qui se produisent. L'enjeu fondamental, l'enjeu principal, c'est d'éviter les exclusions. Que ce soit ici, que ce soit à Cayenne, que ce soit à Paris ou ailleurs, c'est toujours le même enjeu au fond. Le tourisme, c'est un droit quelque part, et ça permet aussi de se dépasser, mais ça permet de vivre avec les autres. On va vous parler un petit peu de situation de handicap. Vous voyez, on est tous différents là. Vous voyez des différences entre nous? Il y a des extraterrestres parmi nous ou bien? Non. Non. Donc qu'est-ce qui fait qu'on se ressemble? Par rapport à vous, est-ce qu'on a des choses pareilles que vous? Non. Ah bon? Au terme de deux longues journées de marche au cœur de la forêt, nous retrouvons le village de Sahul. L'occasion pour les participants et les organisateurs d'aller à la rencontre des écoliers du village pour les sensibiliser à la question du handicap visuel et de l'accessibilité, de leur expliquer comment et pourquoi des personnes déficientes visuelles ont ainsi décidé de se frayer un chemin à travers la forêt. Deux ronds, faites deux ronds comme ça avec vos mains et vous les mettez sur vos yeux, comme ça. Vous voyez qu'on voit un peu moins bien. Vous êtes d'accord? Ok. Le séjour, c'est un laboratoire technique d'un côté. Et d'un autre côté, c'est aussi un moment privilégié pour faire tomber des représentations sur le handicap, pour vivre des émotions fortes ensemble. On voit à chaque rencontre que, aussi bien le personnel du parc amazonien, les hébergeurs, la population, ils ont une image différente depuis qu'on est là. De la relation au handicap est déjà questionnée. Ronde test. Enregistré, position point 3 enregistré. Demain, hein, quand ce sera... Le logiciel RandoTest a été développé conjointement par des chercheurs du CNRS et des personnes déficientes visuelles. Encore au stade expérimental, c'est un dispositif de guidage et d'information par GPS qui permettra aux personnes déficientes visuelles de s'orienter et d'être assistées au cours de leur cheminement. Application à télécharger sur les smartphones, le logiciel distribuera en audio et en temps réel des informations de guidage à la fois précises et évolutives. Mais avant de s'élancer, il s'agira de numériser le parcours. Autrement dit, de renseigner au préalable les informations utiles. Repères tactiles au sol, dangers, passages à trouver, reliefs et obstacles. Les informations pourront être précisées et complétées par les utilisateurs. Il s'agit donc d'un système ouvert et participatif. Je vais enregistrer ma position actuelle, d'accord? Tu mettrais quoi? Église, Église classée... Église classée de Saoul, et non pas de Séoul, je suis fatigué. Avant le vol, est-ce que ça a été compliqué? Quel obstacle on a vu? Est-ce que c'est contraignant? C'est pas contraignant. À mi-séjour, autour de la table, on échange et on évalue ensemble les plaisirs et les difficultés rencontrées sur le parcours. Quel changement? Pour ouvrir. C'est randonnée à un public en situation de handicap visuel. Ça s'est bien déroulé. Les personnes, est-ce qu'ils ont été accueillants? Est-ce qu'ils ont accompagné? Est-ce qu'ils ont aidé? Ok. Nous entrons dans la deuxième phase du séjour. Sur un nouveau parcours situé à quelques kilomètres en aval du fleuve, il va s'agir d'expérimenter le logiciel en pleine forêt. Va-t-il permettre aux randonneurs déficients visuels d'être plus autonomes dans leur cheminement? Va-t-il offrir plus de fluidité dans leur évolution tout en assurant leur sécurité? Dispensera-t-il suffisamment d'informations et seront-elles pertinentes? Enfin, le système sera-t-il capable de fonctionner en temps réel et assumer ainsi son rôle de véritable accompagnateur? Ça va, Juliette? Philippe est à la manœuvre. Juliette, Léon et Joseph avancent dans son sillage, laissant les accompagnateurs loin à l'arrière. Guidés par la seule voix du logiciel, ils progressent à un rythme régulier et entament un parcours test qui devra faire près de 7 km. Une fréquence. 14h33. Ouais. Attention au sol. Racine. L'aventure qu'on est occupé de mener ici en Amazonie est aussi l'occasion de tester des nouvelles technologies pour permettre à des déficients visuels de pouvoir être les plus autonomes possibles. Dans leur déplacement, dans leur rencontre, dans leur découverte.
Alors, la nouvelle technologie peut aider à cela, à l'ouverture de tous ces nouveaux territoires. En tout cas, favoriser une autonomie optimale, oui, ça j'y crois très fort. C'est avant tout là-dessus qu'on doit pouvoir travailler et c'est ce pourquoi on est là aussi aujourd'hui. Ça y est, hein, on est. C'est bon, Juliette. On dit hétéroguide plutôt. Parfait. L'idée, c'était de voir si ça pouvait être un outil qui facilite l'autonomie des personnes sur des parcours de randonnée. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas avoir une projection de cette technologie pour la vie de tous les jours. 17 minutes 30 mètres, attention, passerelle dangereuse. Attention, passerelle dangereuse. Alors, on va le prendre sur la gauche. Oui, à droite il y a de l'eau. On entend l'eau? Oui. Ok. On passe à gauche. Je crois que sur la première partie qui est développer l'autonomie, alors, après avoir eu une ou deux heures de sensibilisation, c'est-à-dire à l'outil, c'est un outil de haute technologie, on s'aperçoit qu'il y a une autonomie. Mais je pense qu'il y a une autonomie aussi parce qu'on a fait de la randonnée. Sans. C'est-à-dire qu'on a déjà développé des capacités de comportement, de balayage avec la canne, et on a déjà pris confiance en soi. Et cet outil vient compléter. Mais si on met un outil comme ça, sans préparation, sans ce travail-là déjà de confiance, je pense que ça ne suffira pas. Ok. Donc, la première partie, très confortable avec les commentaires. Il faut juste s'habituer à l'anticipation. La petite montée de 30 mètres avec les racines, elle est dite, mais elle est dite relativement tôt. D'accord. Donc il faut arriver à mémoriser à ce moment-là. Sinon, c'est vrai qu'avec l'aide de la canne, qui donne elle les informations de sécurité, en termes d'orientation, c'est très bien. Aucun problème par rapport à ça. Tu veux dire que c'est assez intuitif pour vous? Alors, c'est aussi la qualité de l'information qui est donnée, bref, précise. Okay. Et par exemple, à un moment donné, monter 30 mètres, succession de racines, c'est bon, faut pas plus. Voilà, tu connais maintenant l'outil. Mmh. Faut pas que le téléphone bouge, tu vois, non. Trop. Okay. Le téléphone, il doit bouger avec ton corps. Okay, okay. D'accord. Tu le mets comme ça, voilà. C'est à Léon de jouer. Alors que l'expédition a été dans un premier temps pour lui l'occasion de découvrir et d'affiner l'usage de la canne, le voilà déjà en train de s'approprier l'usage du GPS et de chercher une synergie entre les deux outils. Au sol, au sol. On descend. Non, on descend. So. 11h23. Ah, Léon. Allez, c'est reparti. Racine, toujours. C'est enfin au tour de Juliette de prendre la tête de l'expédition. Rapidement, tout le monde règle son pas sur le sien, direction le cœur de la forêt, prêt à la suivre pour ainsi dire, les yeux fermés. Pas japonais, glissant. Oui. Il faut bien comprendre que toutes les personnes qui sont venues ici, chacun à son niveau, a pris des risques. Ce que j'ai vu ce matin, en voyant Juliette guider un groupe de 4 déficients aveugles avec un outil d'haute technologie, on peut dire, elle a pris confiance en elle. Elle les a guidés, nous on était 20 mètres derrière, ça fonctionnait. Ils ont acquis une confiance en eux, c'est-à-dire que c'est possible. Pour eux, je pense qu'il va y avoir un bouleversement a priori dans leurs habitudes et dans leur façon d'apprécier leur handicap. L'Amazonie n'est jamais qu'un moyen de démontrer que partout on peut réaliser de l'accessibilité, même dans des contrées les plus retirées. Et c'est loin d'être une fin en soi, justement. Au travers de l'expérience qu'on mène ici, c'est une expérience qu'on pourra aussi extraire pour aller la transférer dans d'autres endroits, si toutefois la demande se fait, évidemment. Mais c'est tout à fait imaginable, oui. Ce nouvel outil, s'il est capable de nous guider et de nous accompagner sous la canopée amazonienne, promettra aussi et surtout de le faire sous des latitudes moins exotiques, d'accompagner les personnes déficientes visuelles dans les rues et les bâtiments de leur ville, à Cayenne, Paris ou ailleurs, offrant ainsi de belles perspectives en termes d'accessibilité et d'autonomie dans l'aventure du quotidien. Une expérience amazonienne
qui permettra aussi l'ouverture de nouveaux espaces naturels remarquables, dont l'accès était hier encore inimaginable pour ces publics. Et si les petits chemins chaotiques de ce coin d'Amazonie étaient finalement les chemins les plus courts pour aller vers les autres et vers soi-même. Ah, il va pleuvoir là. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à-vous-de-voir avec des tirets. Ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92-130 Issy-les-Moulineaux, c'est Dex 9. Auteur-réalisateur Thibaut Ferrier. Production déléguée Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Céline Raffestin, Thomas Bonnet, unité documentaire Caroline Béard, Carole Whitecraft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été présentée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.